Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode des enfants parfaits qui sont déjà levés. Ça va pas me plaire tout ça. Cocotte, tu vas redormir un peu. Et toi aussi. Il me semble que c'était le monstre qui les avait réveillés, mais il y a normalement la lampe. Donc il n'y a aucun. Normalement, il n'y a pas de monstres qui tiennent. Oui, elles ont leur lampe et tout, donc il n'y a pas de problème. Bon. Nous sommes samedi aujourd'hui. Ah, nous sommes samedi aujourd'hui pour la petite famille. Donc j'ai déjà une idée de ce qu'ils vont faire. Nicolas, il se réveille. Nicolas va prendre une douche. Il y a 5h30 du matin, t'aurais quand même pu juste prendre ton temps avant de te lever, quoi. On est samedi, c'est la grasse mat. Oh là là, c'est Paul. Paul, il pue encore plus le caca. Alors Paul, il va prendre une douche aussi là. Voilà. Et puis tu dois aussi faire pipi, donc tu vas aller faire pipi. Alors tous les gosses vont être réveillés avant le père, je le sens bien cette histoire. Ah bah John, c'est bien, bah tu peux te lever, tu vas préparer le petit déj, servir le petit déjeuner. Des pancakes. C'est toujours bon les pancakes. Allez, on s'active. John. Voilà, c'est bon. Voilà. Pour l'instant j'en ai deux debout. Lui, il va faire le petit-déj. Alors, on va mettre sur pause. Est-ce que... Les manières pour Nicolas, c'est pas ça. Et Paul, c'est pire. Donc Paul, il va mettre la table. Il va mettre la table de façon sophistiquée. Poids. Voilà. Oh, punaise. La cacophonie de réveil en sursaut pour les filles, quoi. LOL. Les filles et le garçon. Oh, attendez, Aurélie est entrée dans une phase difficile pour la nourriture. Oups, je remets bien l'enregistrement. Qu'est-ce que ça veut dire, Aurélie? Aurélie, elle est là. Aurélie, elle a juste la résolution de conflit qui va pas. Entre dans une phase. Non, je veux pas. alors, ok. Bah, toi... Attendez, je vais voir s'il y en a un qui pue plus que l'autre. Non, toi, ça va. Toi, ça va... Toi, mais tu vas déjà prendre ton... Hein? Ok. Elle doit vraiment aller pisser. Mais elle va y aller d'elle-même. Non, mais Aurélie, tu vas te prendre une douche. Voilà. Ce sera ça de fait. Et après, tu iras aux toilettes. Papa, dès qu'il a fini les pancakes, qu'il arrêtera de... De tourner en rond dans la cuisine, là, on pourra manger. Voilà. Il est en train de mettre la table. Je sens qu'ils vont tous aller dévaliser le frigo. Ah, putain. Et je vous jure qu'il y en a comme ça. Et elle aussi, elle y va. Ah non, on va demander conseil. Ah. Mais bon. Paul est en train d'installer la table. Jouet disparu. Je pensais à un de mes jouets préférés que je n'arrive pas à retrouver. Quand ça me manquait, cela me rend triste. Ah, oh, bah continue à chercher. Ah, et contrôle des émotions, moi, je le fais. Toi, non, tu ne vas pas non plus chercher à manger. Vous me saoulez. Papa, il va faire les pancakes. Donc, ils seront tout frais, tout chaud, tout bien. Ça arrive, il va les donner à bouffer, là. Qui c'est qui est mauvais en contrôle des émotions, déjà? Je n'ai plus mon petit papier. Ah, si, il est là. C'est en direct. Contrôle des émotions. Ouais. Ouais, ça ira plus vite en regardant ici, parce que franchement là. Oh là là! Oh là là, tiens, toi tu vas jouer au docteur. Ça t'occupera 5 minutes. Voilà. On est bien? Papa, t'as fini tes pancakes, pas encore? Charlotte qui vient demander un conseil. Récré solitaire. À la dernière récréation, personne n'a voulu jouer avec moi. J'ai dû rester dans mon coin. Si cela arrive de nouveau, que je vais faire? Demande à deux enfants de les rejoindre. Va le dire à l'instituteur. Hop. Ah ouais, chaque fois, je prends le truc qui est résolution de conflit, il va pas, quoi. Arrête avec ses pattes! Et toi aussi. Mais j'en ai marre, hein.
Ah, témoin de maltraitance. Des enfants étaient méchants avec un de mes amis à l'école. Je voudrais l'aider, mais je ne savais pas quoi faire. Qu'aurais-je dû faire? Interviens, défends ton ami, reste à l'écart et console ton ami après. Voilà. Mais j'en ai marre, arrêtez que... Mais c'est pas possible, c'est à la chaîne! Vous me saoulez! C'est pas possible. Vous pouvez pas attendre 5 minutes? Mais en même temps, le père, il met tellement de temps à faire ses fucking pancakes là, c'est pas possible. Allez, appel à table. Toc. Mais c'est pas possible! Tu vas arrêter toi aussi! Oh! John, appel à table! Ah, ça y est. Alléluia! Oh, c'est pas possible. Ah, mais l'angoisse, quoi! T'en as 7 qui vont aller chercher dans le frigo, mais surtout c'est les mêmes qui vont aller chercher dedans, là c'est pas possible. Suffit d'attendre simplement que papa dise à table, les pancakes sont faits, mais bon il a mis juste 2 heures à faire les pancakes, forcément. Au bout d'un moment les gosses, ils en peuvent plus quoi. Louise aussi a fini de manger, de jouer, si je dis pas de conneries. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Mais pourquoi tu manges là, idiote? D'accord, j'ai pas compris, mais... Voilà, il reste une place, et bien sûr, elle va pas s'asseoir avec les autres. Pareil, ça aurait pu faire une super photo de famille, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tous les enfants, ils sont là, ils sont bien. Est-ce qu'il bosse aujourd'hui, papa? Ah, mais il peut avoir sa promotion. Il travaille dans 3 jours. Non, il travaille pas. C'est parfait. Il ira aux toilettes aussi, après. Prendre une petite douche. C'est sportif quand même. Hein. Oh là là, Charlotte, ça n'a pas du tout le contrôle des émotions. Alors, apparemment, c'est vraiment quand c'est comment dire, une émotion négative, il faut leur faire jouer d'un instrument. Donc c'est ce que j'essaie de faire, mais je suis pas sûre que ça augmente. Il y a aussi le fait qu'ils peuvent jouer avec une veilleuse. Alors, on va aller acheter tout de suite ces veilleuses là. Parce que... Voilà, voilà. Veilleuse, veilleuse. Je crois que c'est ces trucs-là. Donc on a acheté pas mal. Pour histoire de dire que tout le monde en est une. Voilà. Hop, une jaune ici. Limite une par enfant. Comme ça au moins on a de quoi faire. Hein. Hop. Et on va reprendre une bleue. Ouais, on s'en fout des couleurs. Voilà. Je vais racheter un kit de médecin. Voilà, parce que ça aussi, c'est bien. Je vais en racheter même un autre. Vraiment, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux pour améliorer certaines compétences. Donc on va bien voir. Qui c'est qui est très nul en contrôle des émotions? On va essayer avec Louise. Tiens, va jouer avec ça. Hop. Lui, il a les manières... Par contre, il va faire ses devoirs, tout seul. Donc tu sais quoi, tu vas mettre la table sophistiquée bordure. Toi, lui, ça va pas non plus. Qu'est-ce qu'il a? Il a eu une vision de merde. Très bien. Aurélie, résolution de conflit, elle y est pas encore trop. Si, si, le niveau des... Par contre, le contrôle des émotions, c'est plutôt pas mal. Meilleure créature du vide. J'ai eu une dispute à l'école à propos de la créature du vide la plus puissante. J'ai dit que c'était l'Articorne, mais il n'arrêtait pas de dire que c'était le Suintor. Qui a raison? C'est l'Articorne, bien sûr. Les deux sont si puissants l'un que l'autre. Influence au contrôle des émotions. Ouais, bon. Ah, j'ai mis au pif, hein, parce que franchement, je ne sais pas. Ok, John, toi, tu vas peut-être prendre une douche cette fois-ci aussi. Ah oui, regardez, elle le fait toute seule et elle a le contrôle des émotions. Parce qu'elle est en émotion tendue. Non, bah, finalement, c'est pas mal. Toi, arrête. Et tu vas prendre une douche. Voilà, voilà. Par contre, après, tu joueras un peu au docteur.
rapidement. Et puis, on va passer aux suites de la... Oh, c'est joli! Compétence niveau 7 quand même. Hein. On va passer à la suite de la journée. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Parce que... On lui reçoit un petit coup de... Ah, rancœur avec Lilith. Oh, non, mais les enfants, ils sont à la maison et tout, tu vois. C'est pas que j'aimerais pas ne pas te voir, parce que je vous rappelle que John et Lilith sont un peu amoureux. Ils sont des tourtereaux, hein, ils ont fricoté ensemble, ça commence. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder la télé. Bon, il est de plutôt bonne humeur, il y en a qui se douchent, tout ça, dès que les douches sont finies. On va s'activer. John va emmener tout le monde faire du bénévolat. Voilà, faire du bénévolat. Avec tout le monde, avec absolument tout le monde. Bon, alors, je vais pas le faire maintenant parce que j'attends que les douches soient finies. Bon, elle joue. Ok. Bon, bah, ça a l'air d'aller. Tout le monde va bien? Tout le monde est dans le vert. Allez, c'est parti, le bénévolat. On y va avec tout le monde. Et qu'est-ce qu'on va aller faire? Vente de gâteaux, nettoyage de plage, maison de retraite, soupe populaire, manifestation contre une maladie. Nettoyage de plage. Allez, go! C'est parti! Pour le bénévolat, les enfants, les parents de 2 et 3 et 4, 5, 6. Il en manque un. Bah 2. Pourquoi lui il est pas... Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai oublié un? Mais toi aussi, faut que tu fasses du bénévolat. J'ai pas... Ah bon, bah, il y en a un qui va pas faire de bénévolat. Bon, je me suis loupée. Par contre, il a pas beaucoup d'empathie. Émotions, émotions. Tiens, tu veux jouer avec ça? Bon, bah, tant pis, hein. On va jouer avec Nicolas tout seul. Je sais pas. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Allez, joue un petit peu. Voilà, il se cogne comme un abruti. L'empathie. Ah, le kit médecin. Ok. Et ben après, tu joueras au kit médecin, mon petit. Comme ça. Tu auras tout bien augmenté. Voilà, l'empathie augmente. C'est parfait. Pendant que les autres font du bénévolat. Ah, Philippe a vu deux bénévoles se battre. Pour le même sac de déchets. Doit-il intervenir dans cette dispute? Essayez de faire la médiation, restant en dehors de ça. C'est débile, un petit peu. La médiation. Philippe essaie de s'interposer, mais un des bénévoles le fait tomber accidentellement. Tout le monde réalise combien cette dispute est absurde et fait la paix. Bon! Philippe Richard a gagné de la résolution de conflit en résolvant la dispute sur la plage, mais a perdu de l'hygiène en tombant dans le sable. Oh, bah alors, c'est dommage, ça. Ah oui, il a bien augmenté. Alors, qu'est-ce que tu veux faire, mon petit Nicolas? Ton contrôle des émotions n'est toujours pas... Tu veux jouer? Je sais pas. Non, oui, tu peux jouer, tu peux serrer dragon, tu peux lui parler, raconter une histoire. Pas l'injurier, parce que nous, on veut pas que tu sois mal appris, hein, quand même, faut pas déconner. Allez, 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 allez! Voilà. Est-ce que ça fait du bien à... Après, tu rejoueras au docteur. Alors, les voilà rentrés à la maison. Le bénévolat, c'est amusant et c'est la force de caractère. Ok. Bon, et eh ben c'est super. Pause. Contrôle des émotions, Louise. Ça va pas du tout. Je crois que tu as ta petite machin truc muche. Jouer avec émotion. Ah, c'est ça peut-être qu'il faut faire. Ensuite, toi, Philippe, ça va pas. T'es à bout. Mais tu as besoin de... Ah bah ça va, lui à part l'empathie, on va lui faire jouer le kit médecin. Voilà. Paul,
Contrôle des émotions et pas GG. Au niveau là, ça va. Contrôle des émotions. On va faire la petite truc là. Jouer avec émotion, ici. Charlotte. Oh là 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 là. Contrôle des émotions. Il est catastrophique. Tu vas aussi jouer avec émotion avec ça là. J'espère que ça va te changer les idées. Aurélie, elle va déjà jouer avec le kit. Contrôle des émotions. C'est plutôt résolution de conflits qu'elle doit améliorer. Ah, apprendre à dire pardon. D'accord, donc papa va lui apprendre à dire pardon. Déjà, tu vas la complimenter. Tu vas illuminer sa journée. Et tu vas lui apprendre. On croit que je vais faire du bénévolat. Apprendre, s'il vous plaît, merci. Ok. Nicolas, lui, on s'occupe déjà de lui. Et comment elle s'appelle? C'est Cécile là. Cécile, elle a la résolution de conflits et les manières, ça va pas du tout. Mais on va déjà faire tout ça. Je pense que tout le monde aura une tâche à signer. Ah d'accord, elle joue comme ça en pleine dans la rue, sur le trottoir. Pouf! Hop, il y en a une qui s'est cognée avec. Tout va bien. Bon, pour Cécile, ça remonte contre les émotions. La vache, oui! Ça remonte bien. Les manières pour Aurélie remontent. Elle. Mais meuf, tu ouvres ça, tu le mets avec ça et tu joues avec émotion. C'est pas juste pour faire joli les jouets, hein. C'est aussi pour jouer avec. Toi, enlacé. Ok. Bon, ils sont mignons entre eux quand même, hein. Éliminer la journée. Ah. Miss Click, Miss Click. Discuter, c'est étrange à ce point. Ah, demandez de regarder les nuages. Ah, Aurélie, ça la saoule de. D'apprendre à dire s'il vous plaît, pardon, machin, compagnie. Pourtant, c'est la base hein, de tout, mais. Nicolas, tu devais pas défaire la table. Si, tu devais la défaire, la table. Non, mais oh. Tu vas tout de suite le faire, là, Coco. T'as pas fait de bénévolat, toi, donc ça va pas du tout. Philippe, ça va pas. Tu vas jouer de l'instrument. Tu viens jouer de l'instrument parce que t'as une émotion négative. On verra bien ce que ça donne. Est-ce qu'elle a appris? Bonne manière à la rescousse. Les manières, c'est bon. Les résolutions de conflits, ça va pas. Ah ouais, c'est pardon en fait qu'il faut qu'elle apprenne à dire. Qui es-tu, toi? Akira Kibo. Mais lui, il veut jouer, d'accord. Vite à rentrer. Bonjour, monsieur! Oh là! T'es buggé, mon gars. Qu'est-ce que tu viens faire chez nous, là? Tu. Voilà, ouais. Salut, tu es qui? Qu'est-ce que tu viens faire chez nous? Tu vends quelque chose? Une petite blague. Lilith! Non, mais Lilith, on préfère que tu viennes ici, en fait. Mais on sait que t'es une vampire et que tu veux jamais venir sur les terrains. On va lui demander quand même, mais. Bon, tu vas aller aux toilettes un peu, John. Histoire de. Ah, punaise, mais c'est vrai qu'il faut débarrasser une à une les trucs là. C'est n'importe quoi. Allez, tu débarrasses tout, Nicolas, et après tu mettras la table. Ah ouais, par contre, c'est chiant de faire un à un. Pourquoi ils n'ont pas prévu de faire tout en même temps? Je comprends pas trop. Tu vas remettre la table. Triangle. Mais le mec, il se sert. Ah non, ça va, il fait la poubelle. Les poubelles. John, tu vas. Oh, on s'en fout. Arrêtez, vous me saoulez. John, tu vas apprendre. C'est Aurélie. Aurélie, Aurélie, tu viens ici. Aurélie, viens là.
Voilà, John, tu vas aller ici. Et tu vas apprendre à dire pardon à tes filles parce que finalement c'était pas s'il vous plaît, merci, c'était pardon qu'il fallait lui apprendre. Voilà. Allez, un petit cours de bonne manière et de résolution de conflits. Alors tu vois, quand tu vexes quelqu'un, ah, j'ai eu peur, je croyais, excuse-moi, ce que c'était, c'est la douche. Quand tu vexes quelqu'un, ça lui fait du mal, tu sais, comme toi quand on dit que t'es moche ou que t'es grosse ou que t'es bête. Et ben voilà, ce qu'il faut, bah, c'est de t'excuser. Non, tu vas pas contempler. Et l'autre, il s'est mis à manger. Oh là là, ça m'énerve. Oh bah, ils vont tous bouffer, c'est très bien. Je pense que là, je vais même pas me battre parce que ça sert à rien. Le temps qu'ils fassent à manger en plus. Oh là là, Louise, elle est en train de chanter dans la douche est dégueulasse. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Quand je serai adulte, je veux devenir ninja. Oui, bah, oui, c'est bon. Ils m'ont cassé la douche. Ces sales gosses. Qu'est-ce que tu fais? Responsabilité. Non, 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 Nicolas. T'as fait quoi là? J'ai vu. J'ai vu, Nicolas, que tu as la responsabilité qui a diminué. Lui, on l'a remonté. Tu vas mettre la table décontractée bleue. Allez, dépêche-toi. Voilà. Bon, ça monte tout doucement, mais bon, il y en a encore qui sont dans le rouge, comme Louise qui est dans le contrôle des émotions. Sinon, tu vas écouter la musique classique. Philippe. Oh là là, qu'est-ce qu'il a? Insécurité musicale. Mais lui, il est remonté dans le vert. Ok, tu peux aller manger et prendre une douche. Paul, il y a le contrôle des émotions qui va toujours pas. Après, tu joueras avec émotion avec ta veilleuse là. Charlotte, on a. Oh là là, le contrôle des émotions, ça va tellement pas chez elle. C'est compliqué. Franchement, contrôle des émotions, j'ai du mal. Ils peuvent faire plus d'intéressants pour se détendre avec des radios et des instruments ou courir pour se vider l'esprit. Mais oui, mais ils peuvent pas. Là, elle peut pas. Bon, on va aller jouer, essayer de jouer avec son père. Aurélie, ça va, on est dans le vert. Niveau manière, elle est vachement bien. Nicolas, il est plutôt dans le vert. Et Cécile, la punaise, résolution de conflit et manière, ça va pas. Donc, c'est cool. Tu vas pouvoir débarrasser ça. Et tu pourras remettre la table plusieurs fois, comme on a fait avec Nicolas, pour que ça aille mieux. Hop. C'est mignon, sur des câlins et tout, c'est adorable. Qu'est-ce que tu viens faire là, John? Tu discutes avec Aurélie? Alors, qui c'est qui a les bonnes manières en berne? Parce que vu qu'il est dispo, il y a Cécile. Elle, c'est le contrôle des émotions. Le contrôle des émotions, c'est ma bête noire. Donc, Cécile. Cécile, elle n'a pas les bonnes manières. Cécile, donc tu vas apprendre à Cécile à l'éducation. Apprendre à dire pardon. Voilà, comme ça au moins ça c'est fait. Tu vas aussi manger. C'est un peu le bins, hein. Là, il y a tout le monde qui fait n'importe quoi. Ah, je sais plus, c'est Louise. Elle va aux toilettes. Toi, tu vas aux toilettes et tu vas manger. Oui, mais non, on n'a pas le temps. Ok, toi, tu vas aller aux toilettes. Je sens que je vais avoir beaucoup de monde aux toilettes d'un coup. Non, ça va, ils vont dans les trucs différents pour l'instant. Hop. Lui, il est parti se coucher, 21h. Bon, ça va, elle remonte sa résolution de conflit. Ouais, ses résolutions de conflit, c'est pas encore manière. Mais bon, c'est bien, tu pourras mettre la table après décontractée, rouge.
C'est pas encore fini, mais ça va venir. Et j'ai oublié que John pouvait mettre à jour son réseau social. Mettre à jour. Et mettre à jour. Ah oui, lui, ça, ok. Ah punaise, elle a envie, hein. Mais viens, coquine. Lilith, viens. Mais elle a à fond, hein. Elle veut absolument sortir avec lui, hein. Lui, il va mettre son statut à jour et tout ça, et il va manger après. Bah non, mais fais manger un truc déjà fait, quoi. À moins que tous les gosses aient tout bouffé, non. Il y a les petits pois. Tu vas manger des petits pois. C'est truc horrible. Pourquoi tu te balades avec une des trucs pour enfants sur toi, mec? Alors, 300 abonnés au total. Ben, c'est pas mal. Est-ce que Lilith va vouloir venir? Oui, 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 c'est cool. C'est Papounet, il va aussi pouvoir prendre du bon temps. Ben, tu vois, tu vas débarrasser aussi maintenant. Hop. Ça, on jette. 320 abonnés maintenant, c'est parfait. Prête, ira prendre une douche, Cécile. Tous les gosses vont être au dodo, c'est parfait. Oui, parce que... voilà, bah... John pourrait être tranquille avec... avec Lilith. Il mange ses petits pois. Voilà. Tous les gosses au lit. On est juste sur la musique... ouais, d'accord. Bon, bah, tant mieux. Hop, ça je range. Et ça je range. John. Avec Lilith. Élimine sa journée, mais pas trop fort, puisque c'est une vampire. Ha ha ha, la vieille blague. Tu vas la complimenter. Tu vas la flatter. Et tu vas la dragouiller quand même un petit peu. Parce qu'elle n'est pas venue pour rien, hein, la cocotte. Elle arrête pas de te harceler pour qu'on puisse sortir, et bah tu vas... Tu vas faire plus que sortir avec elle. Tu vas l'enlacer. Et tu vas l'embrasser. Je vous rappelle que nous n'avons pas de bébé vampire. Et que ce serait pas plus mal d'en avoir un. Mais seulement chez Lilith. Hein. Nous, on n'en veut plus à la maison. On en a déjà assez comme ça. Ça y est, enjôleur le petit John. Et elle aussi, ça y est, ils sont chauds. Allez, finis tes petits pois, mec, avant qu'on passe aux choses sérieuses là. Ouais, ouais, c'est moi qui te parle. Il est fatigué. T'inquiète pas, elle va te revigorer. Trop d'action en attente. Bon, vite, mange tes petits pois. Voilà. Alors, voilà un peu d'action. Ouais. C'est une vraie vampire. Oh, c'est sur un bébé direct. Embrasser les mains. Quand même. Complimenter l'apparence. Mais il y a encore un gamin qui est dehors. Oh, il fait les poubelles. C'est bien. Tu vas faire crac-crac. Ce sera déjà pas mal. Par contre, voir son père draguer une autre femme... Ça le fait, quoi. Allez, go! Ils sont claqués tous les deux. Hop là! Ouh, quel pyjama affreux, Lilith. Bon, bonsoir. Bon, John va faire crac-crac pour la première fois, on va juste dire depuis très longtemps, vu qu'il a quand même eu 7 enfants. Et ça fait un bout de temps, hein, du coup, hein, parce que, voilà. Alors, l'empathie. C'est le contrôle des émotions qu'il faut que tu... Bah, écoute, ouais, fais le ménage, si t'as envie de faire le ménage. Y a pas de problème. Est-ce que tu as ta petite veilleuse sur toi? Non. Eh ben, tu vas avoir celle-là pour toi. Et tu vas jouer avec émotion. Ah oui. Bah, écoute, nettoie. Et il est bien, ce gamin. Ah, tu peux nettoyer, hein, c'est bien. Contrôle des émotions, c'est parfait. C'est parfait. Et pendant ce temps-là, papa, il s'est bien amusé avec Lilith.
Mais non, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi qui fait qu'il gueule sur... voilà quoi. Tiens, on va mettre son réseau social à jour parce que quand même... Hey les gars, ça y est. J'ai niqué... J'ai niqué Lilith. C'est horrible ce que je dis. Tiens, chérie. Voilà, je m'excuse, je t'ai râlé dessus parce que tu dormais dans mon lit, mais c'est grâce à moi que tu dors dans mon lit, quoi. Ah bah ils vont refaire... D'accord. Ils vont faire le bébé tout de suite. On verra, hein, si ça fonctionne ou pas. On verra. Bon, alors du coup, toi, tu vas peut-être aller te coucher quand même. Ce qui est quand même 1h40 du matin. C'est pas une heure pour les enfants de rester debout. Et c'est sur ce joli crac-crac que je vais donc vous laisser pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous avez des solutions pour les traits de caractère des enfants. Parce que vous voyez que je patauge encore un petit peu. Et je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un message. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut.